Je m'appelle Tiphaine Bréant, j'ai 24 ans et je suis ingénieure d'études à CEDEN. J'ai fait 3 ans d'énergétique et propulsion. Et en dernière année, on avait le choix entre système propulsif et énergie durable et j'ai pris énergie durable. CEDEN, c'est un bureau d'études qui travaille à la fois dans l'énergie et les déchets. Donc il y a 2 pôles, moi je fais partie du pôle énergie. Le pôle énergie, en fait, notre but, c'est d'accompagner les collectivités dans tous leurs projets de réseau de chaleur, avec énergie renouvelable notamment. Donc ça peut être des missions, des études de faisabilité ou des missions plutôt à caractère stratégique au niveau du développement du réseau de chaleur. Mon poste après, il est plutôt varié et c'est plutôt du technique que je fais. Mais c'est intéressant parce que j'utilise pas mal de mes compétences en fait que j'ai eues pendant mes formations. Donc ça va être de la thermodynamique avec les échangeurs, les pompes à chaleur, mais c'est aussi de l'énergétique du bâtiment. Je fais aussi de la programmation, je fais un peu de cartographie et j'ai une partie sur terrain parfois, des visites techniques. Donc voilà, c'est assez varié et complet. C'est déjà l'INSA, c'est une bonne école qui a une renommée nationale et voire même internationale. Les ingénieurs INSA très souvent sont rigoureux et c'est une compétence qui est assez recherchée ici dans ce bureau d'études. Et j'ai aussi fait 3 ans de théâtre études. Voilà, donc on a plutôt du temps pour vivre d'autres expériences et c'est ce qui nous permet d'avoir une véritable ouverture d'esprit, je pense. C'est vraiment qu'il y a un caractère varié, ça c'est ce que j'aime. Et l'entreprise en soi, c'est une petite entreprise, donc il y a un peu une ambiance conviviale en fait. Surtout, je vais pouvoir gagner en autonomie dans mes missions, je dirais. Les mener vraiment de A à Z avec le contact client notamment. Là, comme je suis actuellement, je travaille dans les réseaux de chaleur avec énergie renouvelable. Éventuellement, continuer dans cette optique.